Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de City Skyline. Donc dans l'épisode précédent, on avait fait ce petit échangeur. On va voir maintenant s'il va fonctionner correctement, en tout cas j'espère. J'espère aussi que les voitures l'emprunteront, sinon il servira un peu à rien. Ça désengorgera l'autre échangeur à la limite. Il y a 2-3 voitures qui ont... Ah là, il y en a quand même quelques-unes. Il y en a quand même quelques-unes. Alors, regardons un peu niveau trafic. Il y en a beaucoup moins qui viennent par ici du coup. Hein. Ça, c'est déjà bien. Normalement, ça va débloquer à ce niveau-ci parce qu'il n'y en aura pas autant qui viendront. Pourquoi il y en a quand même? C'est bizarre. Il y en a quand même qui viennent par là. Hein. Ils prennent pas tous... en même temps, vu la route, je peux comprendre. Je peux comprendre, c'est un peu dangereux dans ce coin-ci. Et puis, le trois quarts des gens prennent l'autoroute ici pour pouvoir aller jusqu'à l'industrie qui est là-bas. Donc, c'est plus pratique d'aller par là directement. Donc, ce que je devrais faire, c'est finir de zoner tout ce qu'il y a là-bas. Et ensuite, transformer cette route-ci en autoroute directement. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas avoir le choix. Parce que les camions qui veulent aller par là-bas, c'est vraiment terrible. Ça va bien évidemment me coûter énormément de... Ah non, il faudrait que ça soit en deux sens. Non, donc j'ai pas le choix en fait. Ou alors, ce que je peux faire... À la limite, c'est une voie qui part par là, qui vient ici, boum, comme ça. Et l'autre, non, ce serait le bordel. Hein. Je suis occupé à m'imaginer des scénarios. Ce que je pourrais faire aussi, à la limite, c'est détruire complètement ce qu'il y a ici et faire deux voies qui vont jusque là-bas avec un rond-point ou quoi. Ou alors, ouais, non, je sais pas trop ce que je pourrais faire en fait. Je m'imagine des plans et tout, mais ça risque d'être casse-gueule. Enfin, pour l'instant, on a de l'argent. À la limite, je rechargerai la partie directement après. Hop. Ça va détruire énormément de choses. Déjà, ici, le cimetière. Le bâtiment n'est pas vide. Ah ouais, je vais pas pouvoir le péter. Ah ouais, merde, j'avais oublié ce petit détail. Donc, on va recharger directement la partie. Charger partie, donc la partie vidéo, hop, c'est assez moche, donc voilà, on a rechargé la partie, on va pas faire ça tout de suite, du coup on va d'abord vider le cimetière là, quelle capacité j'ai pour cramer les gens, oh bah ça va, pour l'instant ça va, par contre ici il va falloir que je fasse quelque chose aussi, hein. Je vais peut-être placer en encore un truc pour incinérer dans cette zone là et peut-être encore un dans cette zone ci en espérant que ça sera suffisant. C'est pas suffisant, enfin une fois que l'autre sera activé là ça sera peut-être suffisant, on verra bien. Allez, active toi active, il veut pas s'activer. Il est noir, hein, et il veut pas s'activer. Pourquoi est-ce qu'il... Ah, voilà, il est activé. Ça résout pas encore le problème. Hein. Il m'en faudrait genre un ou deux de plus. Ça brûle combien de trucs? 48 000. Ah ouais. Ah ouais. Oh, business. Je fais... En fait, il m'en faut encore deux. Pour que ça soit complètement opérationnel. Donc on va en faire deux. Ah merde, j'ai plus assez d'argent. J'ai gaspillé beaucoup d'argent dans ce petit truc de merde là. Bah c'est limite mais ça passe, hein, on va dire. C'est limite mais ça passe. On fait énormément de déchets. Hein. On en fait énormément. On en fait beaucoup trop en fait. Est-ce qu'il y en a vraiment qui utilisent cet échangeur? J'ai pas vraiment l'impression. Hein. Il n'y a pas grand monde qui utilise cet échangeur. Il me faudrait avoir la deuxième zone là-bas. Oh bah, vous voulez des... Ouf. Oh bah oui, du coup j'ai beaucoup plus de gens. Ah merde. Je vais faire quelques zones comme ça.
personnellement. Hop. Hop. Ça c'est quoi? Jardin pour chien. Bon, on va mettre un là. Ça a pas, ça fait pas grand chose hein, les jardins et tout le bazar là. Celui-ci, c'est celui-là qui fait le plus en fait, qui est le plus utile dans tout ce bordel. Allez, on va en mettre un là. Boum. Ah et maintenant ça c'est content hein. Ça coûte super cher, n'empêche. Tout ça pour que les gens soient contents, quoi. Quelle connerie. J'ai des gens qui se barrent. Mais pourquoi est-ce qu'ils se barrent? Alors, voyons voir. Le bâtiment a été abandonné à cause de la pollution sonore élevée. Ah ouais, mais ça, je sais pas faire grand-chose à ça. Ah si, je pourrais mettre des petits arbres sur la route. Ouais, je vais faire ça déjà en centre-ville, hein, ça sera déjà bien. Donc, déjà pour les grosses routes... Hein, ça sera déjà une chose assez sympa, je crois. Donc, les grosses routes de bordure, je vais mettre des arbres sur les côtés. Donc, les arbres, je ne sais pas comment, mais ça diminue la pollution sonore, apparemment. Je n'étais pas au courant. Personnellement, dans la réalité, non. Ça marche pas. Mais dans ce jeu-ci, ouais. Bon, bah, à la limite, hein, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est plutôt bon. Hop, allez, je vais faire le tour comme ça. À la limite, pour le truc qui coupe la ville ici en deux, je pourrais mettre aussi un truc comme ça. Pour avoir plus de circulation. Ouais, je sais pas, on verra bien. Hop. Ici, c'est déjà bien, hein, je trouve. Oula, merde. Bon, bah, on va le faire, hein. Voilà, comme ça on est sûr que la circulation sera bonne entre les trucs à chaque fois. Je vais le faire pour tous hein, du coup. Ah mais non, ça va faire des embouteillages et des bouchons à cause des feux rouges je crois. Ouais, ça fait des feux rouges. Ah merde. On va le repasser en densité faible du coup. Hop. Mais évidemment, densité faible, mais pas n'importe quelle densité faible. Densité faible, mais avec des petits arbustes. Juste histoire qu'on puisse avoir un peu moins de pollution sonore. Donc du coup, de ce côté-ci, j'ai des zones qui se sont fait terrasser. C'est bien con, mais bon, c'est pas comme ça. Voilà. Comme ça, c'est bien. En tout cas, résidentiel, il m'en demande plus hein, pour l'instant. Donc j'ai toujours un problème de pollution sonore. Je vais continuer mon truc avec les petits arbres. À la limite, je vais faire une ellipse maintenant. J'ai oublié de mettre mon chrono, je crois. Ouais, je vais faire donc une ellipse maintenant. Pour pouvoir tout simplement continuer à changer les routes comme ça. Ou alors je le fais avec vous. Oh, je sais pas. Cette fois-ci, je vais le faire avec vous. La prochaine fois, si ça vous est égal, bah, vous me le dites et je le ferai tout seul, comme un grand. Donc, bah, il y a beaucoup de pollution sonore, mais sur les petites routes, en fait, pour l'instant. Les petites routes, c'est surtout des routes comme ça que j'ai mis. Hein. On va mettre entre les bâtiments des routes comme ça. Boum. Je vais laisser appuyer, comme ça, ça ira plus vite. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Hop. N'empêche, niveau circulation, sachez que ça va vraiment être l'enfer pour poser des bus là-dedans. Parce qu'il y a une fois où ça passe d'un côté, l'autre fois que ça passe de l'autre côté. Enfin, c'est le bordel, quoi. Au niveau circulation, j'ai déjà fait ça dans deux parties solo. C'était vraiment très très chaud, on va dire. Enfin, deux parties que je n'ai pas filmées avec des villes, je suis arrivé quand même à faire une super belle ville et des trucs comme ça avec beaucoup d'habitants. J'ai jamais eu trop de problèmes d'argent. Je crois que c'est la partie où j'ai le plus de problèmes d'argent en fait.
À ce niveau-là, je gère quand même assez bien la ville comparé à SimCity où il était quand même encore relativement facile d'être en déficit au niveau monétaire. Ici, si vous êtes en déficit niveau monétaire, c'est que vous avez vraiment mal géré quelque chose. Quoi, c'est pas du sens unique? Oh putain, non, va falloir que je pète les routes qui sont là pour mettre du sens unique. C'est vraiment con ça. Oh punaise, non. Ça, c'est pas sens unique. Ça c'est bien, parce que celui intérieur, je voulais pas qu'il soit sens unique, mais ceux-là, il fallait que ça soit sens unique. Alors, ce que je vais faire, c'est... On a un problème d'eau. On a un problème d'eau. Je vais d'abord régler le problème d'eau. Hop, je vais en poser deux. Comme ça sera directement réglé. Voilà. Et de l'autre côté, oh, je pourrais mettre ça. C'est quoi qui coûte le plus cher? C'est ça qui coûte le plus cher, mais ça y est, le pur ralo qu'on a dans le coin. Donc on en avait déjà 3, donc on doit en poser 1, 2, 3, 4, peut-être un cinquième. Donc on en avait 3, on en a mis 4 pour l'instant. On va avoir un problème au début au niveau de l'eau, hein. Rien d'inquiétant. J'espère que c'est raccordé au niveau... Ah merde. Raccordé au niveau électrique. On va vérifier ça tout de suite. Ce n'est pas raccordé au niveau électrique. Génial. Hop. Et du coup, j'ai plus besoin de celui-là. Voilà. Ça devrait être bon. J'espère. On verra bien. Bâtiment à brûler. J'ai plein de bâtiments qui brûlent. C'est horrible. Faut vraiment que je règle ce problème de circulation. Cette route-là, je vais clairement la passer en autoroute. Parce qu'elle m'énerve. Ça va me péter la blinde d'industrie par contre, ça va m'énerver aussi. Mais non, je vais la mettre en autoroute jusqu'ici. Là, je vais faire une sorte de rond-point. Ou alors non, je l'ai fait venir jusque-là. Là, il y a mon rond-point et on espère. Il n'y a que ça à faire. Hein. Il y a clairement que ça à faire. Parce que là, le truc est complètement bouché, c'est horrible. Putain de feu rouge. Ou alors je le laisse comme ça. On va le laisser comme ça pour le moment. Mais ça va changer par la suite. Ou à la limite, j'oblige les camions à faire le tour par là. Toi, tu peux arrêter de décharger tes trucs. Toi aussi. Hop. Comme ça, vous allez vous re-remplir. Comme ça, on pourra cramer quelques trucs. C'est à ce niveau-ci. Est-ce que... Non, oh, il y a encore la blinde de gens dedans. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, il faut faire des commerces. Comment je vais faire pour les commerces? Je ne sais pas. La grande question de notre époque. Bah, tant que j'ai pas débloqué l'autre Mindstone, je vais avoir du mal. C'est à 32 000. Oh, bah, je suis bientôt. Ça devrait aller vite. Ouais, mais je vais avoir du mal quand même. Hein. Niveau chômage, 32% de chômage. Ah oui, ça fait mal quand même. 32% de chômage. Je vais placer mes petites zones industrielles. Hop. 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 Ici, comme ça. Hop. Là, comme ceci. Hop. Et là, comme... Non. Je vais faire partir de là. À la limite, je vais le faire en droit. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Ok. Et là, il veut bien. Ouais, là, il veut bien. Ouais, ça sera déjà une petite zone industrielle supplémentaire, c'est bien. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'eau dans ce coin-là. Oh, putain, merde. Il n'y a pas d'eau. Mais en même temps, il y a tellement de chômage en ce moment que y a pas le choix, il faut mettre des usines, hein, parce que sinon on va avoir un gros problème au niveau chômage. Les gens vont partir de ma ville parce qu'ils n'ont pas d'emploi et ça risque d'être grandement le bordel après. Donc je leur apporte le travail. Et ça c'est déjà bien. Ils devraient être contents que je leur apporte du travail. Donc de ce côté-ci, je vais quand même mettre un peu de commercial.
sur, disons, bah, tout ça. Hop, voilà. Comme ça, vous avez du commerce aussi. De ce côté-ci, on va voir. Ouais, là, ça sera des industries simples alors. Ouais. Ah, ils le construisent vite, hein, le commerce là, quand même. Il y en avait grandement besoin, je crois. Apparemment, il y en avait grandement besoin, ouais, en effet. Donc, à ce niveau-ci, je vais créer d'autres industries encore. C'est pourquoi. Il s'abandonne pourquoi? Pollution sonore élevée. Je suis pas réglé ce problème de pollution. Ah non, là je l'ai pas réglé. Ah, fuck. Alors, on va voir ça tout de suite avec ce point-ci. Vous voyez, c'est dans cette optique-là que le changement de sens de la version originale pourrait être vachement pratique pour tout ce qui est ici. J'aurais juste à dire, décréter que c'est un sens unique et à dire, voilà, là, vous me mettez dans ce sens-là. Ça serait tellement plus pratique. Ici, bah, évidemment, ça va pas marcher comme ça, hein, dommage. Je vais devoir détruire la route pour pouvoir la refaire. Alors, en même temps, j'ai pas envie de détruire cette route, hein. J'ai mis du temps à la faire et tout. Oh, franchement, c'est galère. Ah merde! Oula! Oh merde! Oh merde! Oh merde! Non, c'est double sens. Oh! Il fallait faire une connerie à ce niveau-là. Passer d'une grosse route à un truc à deux voies, ça doit être chaud. J'ai un problème de criminalité apparemment là-bas. Eh ben, on va remettre une centrale de police, on va dire, dans ce coin-ci. Voilà, comme ça. On va remettre. Ah bah non, on va pas le mettre. C'est dommage. Ça coûte combien? Ça coûte 60 000. Oh bah on va bientôt pouvoir le mettre en fait. Alors niveau électricité ça va. Niveau eau ça va aussi. Bah ça a l'air d'aller plutôt bien. Hein, ils ont apparemment pas du tout envie de venir habiter ici. Je vais leur donner envie en mettant des logements high-tech. En centre-ville. Ça va me coûter la blinde, mais après, étant donné que les gens vont venir et upgrader leurs bâtiments et tout le bazar, ça va me faire gagner beaucoup d'argent également. Normalement, si ça se passe bien. On entend plein de petites dingues. En tout cas, moi, je les entends. Ou je sais pas. Mais ils s'entendent pas assez bien, je trouve. Ah oui, c'est vrai, je devais remplacer ça parce que on n'entendait pas assez. Le bruit ambiant dans la vidéo, si je me rappelle bien. Voilà. Là, normalement, on en est censé entendre mieux. J'espère qu'on entendra quand même ma voix dans l'affaire, là, parce que. On entend des petits dings, hein. Ils ont l'air d'apprécier les logements high-tech. Ah, ouais. Ils sont presque au max, hein, donc. Ça va me rapporter des gens, théoriquement, d'avoir fait ça. Maintenant, s'ils ont une pollution sonore trop élevée, ils vont pas rester longtemps. Hein. C'est ce bâtiment-ci, et il va me dire encore pollution sonore trop élevée. Bah ouais. Je vais supprimer tous ces petits bâtiments. Et on va voir s'ils vont encore déconstruire ensuite. On verra. J'espère que non, sinon ça voudrait dire que je n'ai pas résolu le problème et je ne saurais pas le faire parce que il n'y a pas d'endroit où mettre des arbres, hein. C'est trop condensé ici. Alors maintenant c'est le centre-ville. Si vous voulez pas de bruit de voiture et tout le bazar, ne venez pas en centre-ville, c'est tout. Ah, bande de cons, hein. Faut tout leur apprendre, même ça. Et je vais commencer aussi à mettre des métros, moi. Réduire le trafic. Surtout là-bas. Parce que là-bas, on peut dire que le trafic, c'est le bordel. Comme on voit, le trafic chargé, il est chargé. Hein. Ah, on a clairement des problèmes d'incendie partout. C'est horrible. Il y a des pyromanes dans ma ville, quoi. C'est pas possible autrement. Il y a clairement des pyromanes dans ma ville. Mais là, vous pouvez pas avoir un bruit sonore trop élevé. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Bande de cons. Donc, ce que je vais faire. On a 110 000 d'argent. C'est pas énorme non plus. Hein. Je vais remplacer les routes qui sont ici, tout simplement. Donc je vais faire une petite ellipse.
et remplacer ces dites routes. On se retrouve directement après. Voilà, fin de l'ellipse. Donc j'ai réussi à enfin faire le tour. Ça m'a coûté énormément d'argent, comme vous pouvez le voir. Mais normalement, c'est fonctionnel. Donc, je vais replacer mon résidentiel là où il est parti. Ou en tout cas, je vais essayer de le replacer. Boum. Comme ça. Hop. Ouais, non, c'est mal foutu, ça. Voilà. Oh, et puis merde. Hein. Je vais le placer un peu mieux quand même. Oui, je sais, j'ai un peu étendu. J'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave. C'est pas encore trop grave. Mes habitants n'en mourront pas. Bien au contraire. Ils sont censés faire des bébés pour remplir le truc. Donc, j'avais de très gros problèmes au niveau... comment dire ? Des pompiers. J'ai toujours d'ailleurs des gros problèmes au niveau pompier. Donc de ce côté-ci, je crois qu'avec tout ce qu'il y a dans le coin, je peux clairement mettre une caserne sans qu'on m'emmerde. Voilà, en plein milieu de la zone industrielle, ça va être génial. En espérant que ça fonctionne un peu mieux que les deux casernes qu'il y a en extrémité, et plus la grosse caserne qui est là. C'est pas normal hein, qu'il y ait autant d'incendies dans cette zone-là, mais bon, c'est pas grave. Et donc, je vais en placer une autre dans ce coin-ci un peu plus tard, une fois qu'on aura fini la zone. Donc, on avait d'autres problèmes de toute façon. Il faut s'occuper de cette demande commerciale qui est énorme. Et il faut aussi s'occuper du métro. Maintenant que j'ai les bonnes zones et tout le bazar, je peux m'occuper de ce putain de métro. Le tout, c'est de savoir comment je vais le mettre. Faire le grand tour à ce niveau-ci. Je veux pas savoir les maisons abandonnées et tout le bazar là. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas ça. Je veux juste pouvoir poser mes bazars correctement. Hop. Et j'ai quoi là? Ah ouais, non, j'ai le parc. Je vais le placer de l'autre côté de ce truc là. Ah, j'ai pas assez d'argent. Ça coûte cher aussi, hein, ça. 15 000, bordel. Faut que je le passe. Allez. Arrête de me faire. Et donc, j'en ai encore une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 à mettre. Bon, on a le temps. Hein, avant de mettre les 7. Donc, avant de... mettre les 7, hein, comme je viens de le dire. Je vais refoutre ce truc-là de merde. Que j'avais dû enlever pour pouvoir refaire mes ronds, parce que c'était le bordel avec. Et ici, pareil. Sauf que là, j'ai plus d'embout. Ah, fait chier. Et je ne crois pas que ça réglerait le problème de tout zoner maintenant. Ah là ils disent que c'est... le terrain est trop faible au niveau valeur. Valeur du terrain trop faible. Il va falloir que j'augmente les bazars ici. En mettant par exemple les trams. Le métro. Le métro. Pas les trams. Donc la route est là. On la voit pas bien la route hein, sur quand on est dans ce modèle-ci. C'est dans quel sens que j'ai mis ouais, c'est dans ce sens là, ok c'est bon. Voilà, comme ça. Ici, il me la faut aussi. En essayant de pas détruire de bâtiments, ça serait mieux. Il m'en faut une là. J'ai pas assez d'argent. Oh bordel, j'ai jamais assez d'argent moi avec ce truc. Faudrait un mode où on peut aller encore plus vite. Ah, j'ai débloqué un truc. La gare et tout bazar. Oh, c'est génial ça. Pouvoir faire ma gare de marchandises. Oh, et je vais aussi pouvoir d'ailleurs mettre les autres types de gares. Ensuite, la gare de gens.
pas comment on l'appelle cette gare. Gare de Jean, ça se dit pas. Bah bon. La gare avec les personnes dedans, c'est ça que je voulais dire. Mais je sais pas comment je suis censé l'appeler. On va le décaler un peu pour être sûr. Et voilà, donc là on a un métro qui fera tout le tour. Hop, comme ça. Et ça c'est nickel. Ensuite je mettrai aussi des voies de métro à l'intérieur, hein, faut pas croire. Pas assez d'argent. Ah ouais putain, ça m'a pompé tout le fric du milestone. Eh ben putain, ça coûte cher. 2700 rien que pour faire ça. Bon, on n'est pas encore tout prêt pour le métro, hein. Il va falloir attendre d'avoir plus de fric que ça. Ah, il me faudrait le commerce, hein. C'est tout simplement ça. Il faudrait aussi cette zone-ci. 13 000. Pff. Oh putain, ça coûte cher tout ce bordel. Comme ça, je peux finir la boucle et mettre mon commercial, en fait. C'est ça que j'aimerais bien faire. Ici, à la limite, je pourrais continuer la route et continuer toute ma zone industrielle. Je suis pas sûr que ça soit une super bonne idée dans l'état actuel des choses, mais bon, c'est pas grave. Ça monte jusque là, mon truc économique. Donc jusqu'ici, à peu près. Est-ce que je fais une plus grosse zone avec ça, avec le commerce là, qui monterait jusque là justement. C'est Industriera. Ah merde, je me suis gouré. Je me suis planté un peu. Hop. J'ai pas pris le bon. J'ai pas beaucoup de quartiers, mais les quartiers que j'ai, c'est déjà bien. Donc je vais prendre un truc à moyenne densité, on va dire. Je vais le faire partir de là. Je vais le faire tourner comme ça ici. Et tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle sera donc commercial. Je peux faire des beaux trucs. Ça c'est quelque chose que j'aurais bien voulu faire dans SimCity, avoir des maps assez grandes pour pouvoir me permettre de faire des belles zones et tout. Malheureusement, ça ne se passait pas comme ça. Je n'avais pas assez de place pour pouvoir faire les trucs que je voulais, en fait. Bon, bah, j'ai pas assez de place, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, je ferai avec. Voilà. Bien zoné en commercial. L'eau, j'en ai assez. De ce côté-là aussi. C'est nickel. Niveau eau. Normalement, le commerce, bah, ça va vite se mettre, hein. J'ai mis quelques parcs déjà. J'ai pas beaucoup d'argent. Ah bah oui, c'est parce que je suis pas en truc élevé. Alors là, qu'est-ce qu'ils me veulent? Pas assez de matières premières. What? Matières premières, toi? T'as pas besoin de matières premières, t'es une usine à glaçons, tu te fous de ma gueule. Tout ce que t'as besoin, c'est de l'eau. Matières premières, ok. Va falloir une gare. Donc la gare, ça serait bien d'avoir cette zone-ci, mais du coup, je peux pas finir mon rond. Ça me casse les couilles. Alors, comment est-ce que je peux faire? Il faudrait... Ouais, je vais attendre donc le prochain milestone pour pouvoir avoir cette zone-ci. Je vais m'occuper de cette zone-ci et je vais mettre du commercial là. Ouais. Et de ce côté-là, au fait, j'ai quoi comme... Ah, j'ai du bois. Oh, je pourrais continuer à faire des gros trucs forestiers à côté. Ouais, j'hésite. J'aime bien l'industrie forestière. Elle est belle, je trouve. Est plus belle que l'autre. L'autre qui pollue un peu trop grandement le sol. Ah ouais, mais ma forêt, elle se casse la gueule. Là, c'est des troncs plus droits. Ah non, c'est pas des troncs plus droits, mais par contre, les feuilles sont meilleures dans l'autre. Ça, c'est clair. On le voit directement. On va voir, au fait, pollution de l'eau. Pollution. C'est où, la pollution? Je me souviens déjà plus, la pollution. Je sais pas du tout c'est quoi. Ça c'est la pollution sonore. Oh, en fait c'est le bordel niveau pollution sonore. Oh mon dieu. Ils sont relativement bien à l'intérieur là où ils se plaignaient, hein. Ah c'est le bordel. Pollution, voilà. Oui. Oh oui, oh putain. J'ai bien pollué les zones, hein. C'est moins que je puisse dire.
Il y a des zones fortement polluées dans le secteur. Mais la zone de bois, l'industrie du bois n'est pas si polluante que ça, hein. Franchement, c'est celle qui pollue le moins, je trouve. Pourquoi j'ai de la pollution là? Sans doute parce que j'ai mis un truc de camion poubelle ou je sais pas quoi. J'ai des morts. J'ai beaucoup de morts. Ah ouais, bah là c'est le pic de mort comme je viens de vous parler qui arrive d'un coup. Enfin que comme je viens de vous parler, non, je vous en ai parlé quand même il y a quelques temps déjà. Mais c'est le pic de mort comme j'avais parlé les vidéos précédentes. Donc ça va faire des bouchons terribles ça. Je suis sûr que ça va faire des bouchons terribles. Au fait, au niveau circulation, comment c'est? C'est le bordel. C'est clairement le bordel. Mais limite, je suis limite à détruire ça pour le faire. En fait, pour pouvoir avoir un accès plus facile à tout ce bordel qui est là-bas. Et pour plus avoir d'intersection à la limite. Comme ça, on peut continuer le rond ici. Et faire ça vraiment centre-ville et après banlieue. Faire plus un genre banlieue. Parce que là, on aurait pu croire que c'était le début d'un centre-ville. Et non. Ça roule quand même assez bien à l'intérieur du centre-ville en lui-même, hein. Ça roule assez bien, sauf sur les coins avec l'industrie, là c'est le bordel. Évidemment, il y a tous les camions qui passent par là parce que le trafic chargé est interdit à l'intérieur. Donc, ouais, c'est galère. Hop, hop, on va faire notre petit tour avec le métro. Comme ça sera nickel. Et je crois que le métro, je vais le faire aller jusque dans la zone résidentielle en fait. Quoi, j'ai pas assez d'argent? C'est quoi cette conne? La pente trop inclinée. C'est quoi cette connerie là? Wow. Pente trop inclinée. Je veux pas voir ça moi, hein. D'accord. Et si je pars de là? Trop incliné aussi. Ils peuvent pas passer là. C'est sérieux. Ils peuvent bien passer quelque part. Là, ils peuvent passer, mais pas là. Parce que c'est une pente trop inclinée. C'est quoi ce bordel? Non, mais c'est pas sérieux ça. Hein. Oh putain de merde. Et est-ce que je peux le faire passer en aérien? On dirait pas. Hein. On dirait pas. Donc je peux pas le faire passer par là. Je sais pas comment je vais faire alors. Je ne sais clairement pas comment je vais faire. Si je peux pas faire le tour de ma ville, à la limite, je pourrais repasser par là pour refaire un tour à l'intérieur. Ah ouais, ah ça peut être classe. À la limite, je vais faire ça, mais plus vers l'intérieur du coup alors. Genre plus comme ça ici. Ouais, c'est une bonne idée. Ça va normalement alléger grandement le trafic, ça c'est clair. Hop. Ici, je vois pas bien. Ah, le minuteur vient de me dire que le temps de vidéo était terminé. Je vais donc bientôt m'arrêter, mais je vais d'abord faire un peu mon petit tour ici. Enfin, j'aurai pas assez pour faire mon tour complet, mais c'est bien dommage que j'aurai pas assez pour faire mon tour complet. Je n'étais pas au courant qu'on ne pouvait pas faire ce genre de choses sur les pentes trop abruptes. Je savais pour les routes et d'autres trucs dans le genre, mais pour ça, je dois avouer que je ne savais pas. Hop, on va le faire là. Ici, j'aimerais bien le faire. Mais là, il y a un parc. Ça, c'est chiant, les parcs. Je pourrais le faire là, à la limite. Allez, hop, voilà. Et le reste du tour, bah, je le ferai au prochain épisode, que je ne ferai pas aujourd'hui, comme ça je pourrai lire vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite ou à mettre un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette série. Au revoir à toutes, à tous et à plus pour d'autres vidéos. Ah oui, j'ai oublié de dire que je crois qu'on va se
stopper la série à 60 000 habitants. Ça va être mon truc en essayant de ne pas avoir trop de morts partout parce que là c'est vraiment le bordel. Ouais, j'ai une perte de population à cause de ce flot de morts, mais bon, on va voir si ça va fonctionner avec ou pas. Bon, niveau incinération, ça passe encore. Donc ça va être bon. Allez, je vous dis donc au revoir et à la prochaine. J'espère que vous serez nombreux dans la prochaine vidéo. Au revoir à toutes, à tous et à plus pour d'autres vidéos.